Nous allons démontrer comment s'enregistrer dans Forsage BUSD avec le portefeuille Trust Wallet. Donc, vous devez installer le portefeuille Trust Wallet dans votre téléphone mobile et l'ouvrir. Donc, il va falloir avoir ce jeton BUSD et le jeton BNB Smart Chain. Donc, si ces jetons ne sont pas, vous pouvez cliquer en haut à droite et taper BUSD et vous pouvez l'ajouter de la même façon. Si le jeton BNB Smart Chain, vous cliquez en haut et vous tapez BNB, vous aurez la référence et vous l'ajoutez. Ensuite, pour acheter le smart contract, il va falloir acheter 10 BUSD, cette crypto-monnaie stable, donc égal à 10 $ pour acheter le smart contract et avoir 0,006 BNB Smart Chain pour les frais de transaction. Donc cet achat de smart contract se fait par le BUSD et les frais de transaction seront pris sur la BNB. Il est nécessaire d'avoir 0,006 BNB Smart Chain pour les frais de transaction. Ensuite, une fois que vous avez cette configuration, vous cliquez dans DAB et vous aurez le navigateur de Trust Wallet. Là où on va coller le lien d'inscription ici pour l'ouvrir. Donc le lien d'inscription, c'est la personne qui vous a parlé de ce concept qui vous le donne. On va chercher un lien d'inscription. On va copier. Copier ce lien. On va revenir sur le portefeuille et le coller ici. Ensuite, l'ouvrir grâce à votre clavier et changer de réseau, mettre le réseau Smart Chain. Ce réseau, c'est nécessaire. Il faut être dans Smart Chain. Donc, c'est ça, avoir ça comme réseau Smart Chain. Ce réseau. Et vous aurez les informations de votre sponsor qui apparaît ici, c'est normal. Et il faut cliquer Register Now pour continuer l'inscription. Vous avez le portefeuille qui va être analysé. Et lorsque tout est OK, tous les flèches seront vertes. Et là, vous avez cette information, ça veut dire que vous devez approuver pour continuer l'inscription. Il va falloir simplement continuer à prouver. La transaction va être faite, il faut attendre. Il faut attendre. Le système maintenant me demande toujours de continuer l'enregistrement. Valider par la suite. Continuer. Donc, à cette étape, le système va tout simplement valider l'activation du programme X3 et X4. On attend. On attend. On attend. On attend. On attend. On attend. Le temps que le programme X3 X4 soit validé, on attend. Voilà, le programme X3 X4 est validé. Si vous y avez 8 BUSD dans votre portefeuille et au moins ces frais, au moins au départ 0,01 BNB Smart Chain pour les frais, vous pourrez activer le programme troisième plan de rémunération XXX. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez directement loguer dans votre back office en cliquant Login to your back office. On va faire ça. Donc, et cliquez encore Login to your back, your compte.
et accepter. Et là, directement, on est dans le back-office. Vous voyez notre nouveau identifiant, l'identifiant du sponsor, du parrain, le programme X3, X4 qui est activé, le niveau 1 de X3 et X4 est activé. Donc le programme X6 n'est pas encore activé. Et d'ici lundi, d'ici un jour, ce programme X-Gold sera opérationnel aussi. Vous pourrez aussi activer la X4, X6X et celui-là dès qu'il sera opérationnel. Donc dans votre back-office, vous avez des informations. Lorsque vous aurez des partenaires, vous pourrez les voir ici. On peut changer de langue, bien entendu. Donc ici, c'est en anglais. Donc vous pouvez, bien entendu, on peut changer de langue. On va chercher à changer de langue. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Je vous montre les partenaires, vous pouvez voir ici les informations ou le cumul de vos gains. Vous pouvez les voir ici. Et ici, vous aurez aussi le plan de rémunération en détail. Donc, tout expliqué, mais c'est aussi en français. Vous pouvez mettre le back-office en français. Tout ça sera en français. Ne vous inquiétez pas. Et en bas du contrat, donc ici, vous revenez à l'accueil. En bas du contrat, donc vous avez ici les adresses du contrat intelligent. En cliquant dessus, vous irez dans la blockchain et vous verrez toutes les transactions qui sont versées directement dans le portefeuille des membres. Donc en haut, vous avez votre lien de parrainage auquel vous pouvez partager avec futurs membres pour s'inscrire depuis leur portefeuille. Voilà. Et si vous pouvez vous déconnecter.